Salut les bricoleurs, tu l'as compris je pense, on va attaquer la série de vidéos sur la rénovation de la salle de bain et on va pas perdre de temps, on va attaquer ça tout de suite. La première étape dans ma salle de bain, c'est de m'occuper de ce coin-là. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, j'en avais parlé rapidement. Ici, j'ai la salle de bain parentale qui est derrière ce mur, donc tu vois j'ai décidé ici de faire ce coin-là avec tous les réseaux qui vont du sous-sol jusqu'au grenier. Et l'idée c'est de venir ici mettre un toilet suspendu pour pouvoir garder derrière, tu sais, comme une colonne sèche qui va nous permettre de repasser des réseaux si besoin dans le futur, etc. Ce sera toujours accessible. Donc l'idée, voilà, c'est de faire quelque chose de propre. Et pour accéder à ça, j'avais besoin ici, comme j'aurais une baignoire, j'avais besoin de mettre ici deux arrivées d'eau. Donc je l'ai fait vite fait tout seul. J'ai acheté une platine toute faite, tu vois, de ce style-là. Tu vois bien... Tu viens brancher ton arrivée d'eau chaude, ton arrivée d'eau froide là, via les petits connecteurs ici. Donc il faut faire attention parce que dans les GSB, donc dans les grandes surfaces de bricolage, ils te vendent ça. Et en fait, c'est le même kit pour tout le monde. Et sauf qu'à l'intérieur, tu as un petit raccord à visser qui va te changer, qui va te faire du PER, du multicouche, etc. Du cuivre peut-être, j'imagine. Mais c'est un peu mal foutu parce que ça te fait un raccord à visser qui va être finalement dans le mur. Donc tu vois, c'est pas évident. Tandis que j'ai trouvé celui-ci à la plateforme du bâtiment, je pense, et tu as directement le raccord serti, donc moi sur un multicouche, donc c'est directement serti sur ce petit raccord-là, et du coup, tu n'as pas de raccord à visser à l'intérieur. Je vais essayer de trouver la marque et te la mettre en description. Enfin bref, par contre, ça coûte une couille. Ça, un petit comme ça, tu as juste une platine avec deux raccords, hein. C'est 50 balles. Donc, mais bon, c'est bien utile. Donc voilà, donc je l'ai installé, tu vois, il n'y a rien de sorcier, hein, je l'ai mis à peu près au bon endroit. Et j'ai mes deux tuyaux, tu vois, qui sortent ici. Donc là, ça va nous permettre de plaquer rapidement celle-là et ensuite d'aller organiser un petit peu ce bordel. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je suis sur une cloison en 70, donc j'avais prévu, parce que comme je savais que j'allais faire passer différents tuyaux dans la cloison, là par exemple tu vois, on voit pas ici, mais à cet endroit là, donc j'ai mes deux arrivées pour la baignoire et en dessous j'ai deux arrivées pour la vasque de la suite parentale qui est derrière. Donc voilà, j'avais prévu une largeur de cloison assez importante, comme ça je pouvais passer mes tuyaux facilement dans les trous. Et une dernière chose, après on attaque, en fait dans les rails, tu sais, tu as des ouvertures, tu as des trous qui sont déjà prévus dans tes rails pour pouvoir passer tes réseaux, donc tes câbles électriques, etc. Tu vois, comme là, pour mes réseaux d'eau. Je ne les ai pas simplement passés dedans, j'ai quand même mis une mousse autour de la ferraille ici, autour des trous. Je me dis qu'avec le temps, le tuyau peut légèrement bouger, ça pourrait abîmer peut-être le tuyau, tu sais, le fait que tu as le tranchant ici un petit peu de l'acier, donc j'ai mis de la mousse, ça coûte pas cher, mais au moins, tu es sûr que derrière, il n'y a pas de risque. Qui est une fuite dans ton mur, c'est surtout ça, tu la verras pas tout de suite. Et bien faire attention de repérer où tes tuyaux passent, par exemple ici tu vois mon tuyau va passer, je vais pas mettre de vis là, forcément, c'est du bon sens. Allez, on attaque, je vais installer cette plaque, et ensuite on isole le mur, on attaque ça, et on fera le rangement de tout ça. C'est parti.
je pense que j'ai eu un petit problème avec ma caméra et je suis un peu en foufelle parce qu'il fait très chaud, on travaille par 40 degrés. Du coup, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai démonté les nourrices parce que dans les premiers épisodes, en fait, j'avais monté une nourrice d'arrivée d'eau froide, d'arrivée d'eau chaude et on m'avait indiqué dans les commentaires que je l'avais montée à l'envers, donc c'était l'occasion de la changer de sens. Donc j'ai tout démonté, j'ai isolé, donc rien de particulier. Et là, on va installer la plaque et on va pouvoir réinstaller notre nourrice, mais avec un changement, j'en ai pris une avec des robinets d'arrêt. Comme ça, ça va permettre de gérer plus facilement les différents équipements et pas de descendre à la cave pour couper l'arrivée générale des salles de bain. On va pouvoir gérer un peu mieux, plus facilement. Donc voilà où on en est, on va installer notre plaque de placo. Bon, en fait, j'ai bien eu un petit souci avec ma caméra, mais c'était pas au moment où je pensais. Donc là, j'ai installé ma plaque de placo, j'ai installé mes nouvelles nourrices et on se retrouve pour installer le tableau électrique ensemble. Je te reprends rapidement pour t'expliquer ce que j'ai fait dans ce point-là qui n'est pas forcément dans les règles. En fait, voilà, donc j'ai remis, comme je t'ai expliqué, mes nourrices, voilà, tout est nickel. Alors mes tuyaux, ils partent comme ça, ce ne sera pas visible. Là, ici, on va avoir le toilette suspendu, donc je vais refaire une cloison. On aura ici à l'intérieur une colonne sèche, mais je voulais que ce soit propre à l'intérieur. Donc ok, j'aurais pu mettre mes tuyaux droits avec des angles et tout, tout le bordel. Ça me servira à rien, désolé les plombiers. Ensuite, pour le tableau, j'étais pas obligé de faire ça. J'aurais pu mettre simplement une grosse boîte de dérivation avec tous mes raccords à l'intérieur. Je voulais faire quelque chose d'un peu plus propre. Et surtout qu'on m'a donné comme ça des chemins de câbles. En fait, je les ai récupérés, donc autant les utiliser. Je les ai fixés au mur, comme tu as vu. Et voilà, comme ça, toutes mes gaines arrivent directement dans le tableau. Donc j'ai pris un tableau parce que c'était beaucoup moins cher qu'une boîte de dérivation avec un ride-in. Le ride-in, c'est le rail que tu mets à l'intérieur dans lequel tu peux venir fixer des choses, notamment des disjoncteurs, etc. Mais là, j'ai mis des blocs de jonction. Et bah, c'est comme si c'était des gros dominos, mais tout est bien organisé, je vais pouvoir étiqueter, etc. Et surtout que si je veux ajouter des choses par la suite, et bah, ajouter ou modifier, bah, ce sera beaucoup plus simple de pouvoir bien se repérer et de pouvoir voilà, modifier. Je trouvais ça
beaucoup plus intéressant, surtout que, encore une fois, ça ne m'est pas revenu du tout très cher. Là, cette partie va être terminée. On va simplement continuer à passer nos réseaux. Il me reste les arrivées d'eau de la douche à poser. Donc moi, mes arrivées, pour te dire, je les passe en 16. Alors, j'ai mes grosses arrivées ici qui sont en 20, qui vont de mes nourrices en bas pour alimenter les étages et du 20. Et à partir du moment où je vais dans ces nourrices-là, je pars en 16. Alors pour moi, c'est suffisant. Maintenant, encore une fois, les plombiers, si y a des règles à respecter qui sont un peu différentes, bon, bah, c'est pas grave, moi, ça me suffit. En tout cas, largement. Donc, on va passer ici, tu vois, j'ai encore deux attentes pour mes arrivées de la douche. Et ensuite, on va pouvoir finir de plaquer notre mur et on aura fini normalement le cloisonnement de la salle de bain. On va pouvoir passer aux enduits. En parlant d'enduits, tu vois, quand tu vois des choses comme ça, ok, il y a des bords de plaques parfois qui ont été un peu cassés, un peu abîmés. C'est pas grave, l'important, c'est de pouvoir les reboucher. Tu vois, quand c'est des gros trucs comme ça, tu les rebouches au MAP avant de venir faire tes bandes. Et tout est réparé, ni vu ni connu. On va sortir un peu de la salle de bain pour faire un point sur la fenêtre de l'escalier. Parce que c'est pas encore fini cette histoire. D'ailleurs, on pourrait même en faire une série. Et bah, c'est ce qu'on va faire, tiens. Et nous voici face à la fameuse fenêtre qui a été changée. Pour rappel, je te mets des petites images pour te montrer à quoi elle ressemblait. Et pour rappel, dans les épisodes précédents, nous avons eu la première intervention qui a permis de changer le châssis et de casser un vitrage. Deuxième intervention, le remplacement du vitrage cassé, mais la casse d'un autre vitrage. Et nous sommes en train de planifier la troisième intervention, parce que le vitrage qui a été remplacé n'est pas le bon. Et on s'en rend compte de l'extérieur, on voit bien que ce vitrage-là, ce n'est pas des traces de doigts qu'on voit, hein, c'est bien les traces dans le vitrage. Ce n'est pas le même que les trois autres. Et on va planifier une nouvelle intervention, puisqu'en fait, il n'arrive pas à refaire le même vitrage que les trois autres. Donc on va changer les quatre. Donc rassurez-vous, ce n'est ni le premier, ni le dernier épisode. À la fois prochaine. Ici, pour le réseau de la douche, alors tu vois, je t'ai dit, j'ai mes arrivées. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement les connecter pour pouvoir après façonner les tubes. Alors, pour le connecter, on découpe. Faut pas oublier d'ébavurer le bord du tuyau et ça va permettre, tu sais, avec cette petite forme, de l'élargir légèrement pour pouvoir... Hop, je mets ça là. Pour pouvoir l'insérer facilement dans son logement, donc sur le raccord, on l'emmène à fond. Ici, il faut bien regarder que le tuyau arrive jusqu'au bout, tu vois, c'est ouvert légèrement pour montrer justement le repère de tuyau pour qu'il arrive bien embuté. Et ensuite, on prend notre pince anti-vegan. Alors, avant de me lyncher, pourquoi j'appelle ça ma pince anti-vegan ? Les vrais abonnés savent pourquoi. En fait, j'ai parlé de cette pince dans une ancienne vidéo et il y a des gens qui ont été un peu vexés parce que je disais, des gens entre nous qui n'avaient pas beaucoup d'humour, et j'ai eu une petite vague de désabonnements. Je ne sais plus c'est laquelle vidéo, je t'invite à aller les parcourir pour pouvoir trouver la petite punchline que j'avais sortie à ce moment-là. Encore une fois, ce n'est que de l'humour. Donc là, je connecte mon tuyau. Je mettrai un joint par la suite. Là, c'est juste pour qu'il soit bien en place, pour pouvoir le façonner. Parce que comme c'est du multicouche, tu vois, il est façonnable. C'est pas comme du PER qui reste relativement souple. Donc là, je le fixe. Je le façonne légèrement à la main. Et pour mes rayons de courbure, j'utilise, tu sais, c'est un ressort de cintrage. Donc tu le mets dans ton tuyau et ça te permet de le cintrer. Alors pas comme ça, hein, ça marchera pas. Mais de le cintrer légèrement sans éviter de le croquer. Idéalement, pour faire des beaux angles, tu utilises une arbalète de cintrage, tu sais, tu as déjà vu ça peut-être sur d'autres chaînes. Moi, j'en ai pas et ça suffit largement. Surtout que mes cintrages n'ont pas besoin d'être super esthétiques dans le sens où le tuyau va être noyé dans le mur, dans la laine de verre, etc. Donc, c'est juste, il faut qu'il ne soit pas croqué, il faut qu'il soit bien fonctionnel. Et puis voilà, donc tu me verras utiliser ce ressort de cintrage.
voilà pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Tu vois, mes deux arrivées de douche sont prêtes derrière moi, elles sont en attente. Je vais aller acheter tout le matos pour faire les cloisons. Comme ça, dès la prochaine vidéo, on va pouvoir cloisonner, etc., etc. Et peut-être même poser le toilette, on verra. Je te fais un petit point de vue sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Tu vois, moi, je trouve que ça fait vraiment propre. Allez, je te dis à la fois prochaine. Bon week-end.